La gare de Léon. La voilà. Bonjour, mi pequeño. Alors moi. Ça va ou quoi? Oui. Coucou. Bon, ben voilà, Sophie est arrivée. Je suis sur la Plaza Mayor. Et donc, on a trouvé un petit resto. Et moi et la technologie, des fois, ça fait un. Mais là, c'est la première fois que je vais dans un resto où le menu est inclus dans un QR code. Mais non. C'est beau, la science. Est-ce que tu as déjà vu une table pizza? Eh bien, regarde tout de suite. Elle est pas belle, la vie? Et voici la cathédrale de Léon, éclairée la nuit. Au revoir Léon. Eh bien, salut à toi! Bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Je suis devant le monastère San Marcos de Léon. Donc, on se dirige tout doucement vers la sortie. Je suis en compagnie de Sophie, bien sûr, qui est juste à côté. Et donc, aujourd'hui, on continue notre petite... notre grosse randonnée vers les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et aujourd'hui, jour 60, ça fait donc 2 mois que je marche depuis le Puy-en-Velay. Alors, aujourd'hui déjà, premier changement, on vire la casquette. Et on met le nouveau chapeau de cow-boy. Voilà. Eh bien, Sophie, te moque pas. Voilà, c'est le nouveau chapeau pour continuer et terminer le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, c'est pas tout à fait le chapeau que je voulais, mais bon, je le trouve un peu cool, un peu à la Indiana Jones. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Alors, eh bien, aujourd'hui, on va faire une étape de 21 km exactement, si tout va bien, jusqu'à Villar de Mazaferis, de Mazarif, pardon. Voilà, donc on va y aller tranquillement. Il est quand même 9h30 du matin. Mais bon, on s'est levé tranquillement. Et puis aujourd'hui, voilà, 20 km. J'espère juste qu'on va pas avoir trop chaud cet après-midi. Mais ça devrait bien se passer, comme d'habitude. Allez, enfonce ton sac et tes godasses et on y va. Let's go! Voilà, nous quittons Léon pour rentrer à Trobajo del Camino. Eh bien, c'est un peu Paris et Saint-Denis, quoi, en fait, ça se colle. Donc, on continue de sortir de Léon, petit à petit. Enfin, de Léon, de la banlieue de Léon. Pour sortir de cette ville, j'ai envie de retrouver de la nature. Des petits sentiers, des papillons, des oiseaux. Eh bien, je peux te dire que... Pour sortir de la ville, c'est long. C'est toujours tout droit, mais c'est long. Eh bien, je peux te dire que il fait chaud. Là, il doit être 10h du matin. Je peux te dire que il fait lourd, en fait. Et en plus, vu qu'on est toujours en ville, que cette sortie de ville n'en finit pas. Oh. Bienvenue à la Virgen del Camino, ce qui veut dire la Vierge du Camino, la Vierge du chemin. Et c'est juste après ce village justement que tu vas avoir 2 chemins possibles. Donc je t'en parle quand on y est. 29 et demi. En plein soleil,
quand je te dis qu'il fait chaud et il est 11h30 du matin. Donc voilà, on sort de la Vierge du chemin. Voilà, une petite mare pour tremper nos pieds si on veut. Enfin bon, moi j'y baignerai rien du tout parce que ça n'a pas l'air très clean. Eh bien, on sort de la Virgen del Camino et on va bientôt arriver à un choix de chemin. Ah ah! Tu veux savoir quoi? Eh bien, pour toi, c'est dans quelques secondes et pour moi, dans quelques minutes. Alors, à la sortie du village, donc la Virgen del Camino, deux choix s'offrent à toi. Soit tu prends le chemin traditionnel, le Camino Frances, ou alors tu prends une variante. Alors, il faut savoir que le chemin tout droit, traditionnel, va te faire longer une autoroute et va te faire gagner 5 km. Alors que si tu prends la variante, tu vas faire 5 km de plus, mais tu vas te retrouver dans un petit sentier. Donc à toi de choisir. Moi, le choix est vite fait. Je prends le petit sentier. Et c'est donc par là. Voilà, petit sentier. Ou du goudron. Nous voilà arrivés dans un tout petit village, Fresno del Camino. Et je dis bien Fresno parce qu'on prononce toutes les lettres. Hein, ne l'oublie pas en espagnol. Voilà. Eh bien, il fait toujours aussi chaud. Et j'ai pas grand chose à te montrer aujourd'hui. C'est des paysages banals. Et attends, faut que je te montre quand même. Alors je ne sais pas si c'est une stèle en mémoire de quelqu'un ou quoi. Mais bon. Et donc là pour l'instant c'est. Là on a longé. On a longé de la route là jusqu'à la bifurcation. Et pour l'instant, le premier village depuis la bifurcation qui est Fresno, pour l'instant, ça casse pas trois pattes à un canard, pour l'instant. Donc j'espère que ça va s'améliorer au fil du chemin. Alors Sophie, les rôles sont inversés. Avant tu montais comme un cabri dans les montées. On en reparlera quand, tu dis? Ah, d'accord. Ah, ça fait du bien de plus voir de champs de blé. Là, la nature a l'air beaucoup plus sauvage, quoi. Ah, ça fait plaisir. Alors, depuis qu'on est parti de León, eh bien, on a grimpé à peu près de 100 mètres d'altitude. Et donc, on est à 900 mètres, là, actuellement. Et on fait des petites montagnes russes. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, tu vois. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, mais on oscille autour des 900 mètres, quoi. Et tout ça, jusqu'à Villar de Nana, des Manzari, non, Villar de Mazarif, voilà. Après, hein, tu vois, hein, on a beau être sur une variante, le chemin est quand même très bien balisé. Donc, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de risque de se perdre. Et autre chose également, c'est que, tu vois, contrairement à l'autre chemin qui aurait longé l'autoroute, eh bien ici au moins, c'est calme.
Bienvenido a todos a Oncina de la Val d'Oncina. Alors, ce qui est bien sur cette variante, c'est qu'il y a plein de petits villages. Tous les 2 km, il y a un village. Ah ben, ça, c'est agréable. Et en plus de ça, là, je vois une terrasse. Si on pouvait acheter à manger, ça serait bien. Et dis donc, il est 13h et j'ai complètement oublié. Bah, tu me connais, hein, je l'oublie souvent, de te donner l'étape et le dénivelé du jour. Eh bien, le voici tout de suite, quoi. Je suis complètement à la ramasse. C'est peut-être la chaleur qui m'a fait oublier. Enfin, voilà, vaut mieux tard que jamais. Donc, voilà, comme tu peux le voir, hein, on est à grimper un peu. Puis voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on stagne à 900 mètres d'altitude aujourd'hui. Eh bien, ça y est. Nous avons mangé une petite salade, histoire d'être léger pour faire les 10 derniers kilomètres. Et là, nous sommes sur une petite hauteur, donc il y a un peu de vent, mais j'espère que tu m'entends bien malgré tout. Et eh bien voilà, hein. Tu veux voir un peu ce que je vois? Bon, c'est pas non plus un diaporama de dingue, hein, attention. Voilà, on est sur un petit plateau en hauteur, mais c'est bien, la végétation est beaucoup plus sauvage. Je préfère largement aux grands espaces cultivés de la Meseta, par exemple. Voilà un chemin comme on les aime. En tout cas, moi, j'apprécie ce genre de chemin. Pas de bruit de voiture. On est au milieu des petits papillons, des oiseaux qui gazouillent. C'est calme, on n'entend que le bruit de nos pas. On entend le sable, ça c'est sûr. Sophie, c'est la queeneuse. La winneuse queeneuse. Et puis voilà quoi, c'est sympa. Pratiquement 300 km de Saint-Jacques. La dernière borne que je t'avais montrée, c'était 350. Ça approche. Ça arrive trop vite. J'ai envie de savourer ces derniers kilomètres. Et de ne pas aller trop vite surtout, parce que je pense que ben, après Compostelle, ça sera différent. Et j'ai pas envie que ça s'arrête, tout simplement. Il y a un petit mélange de couleurs naturelles là que j'aime bien. Il y a du jaune là, de l'herbe cramée par le soleil. Le vert des arbres, le rouge au loin de la terre battue retournée, et le bleu du ciel qui est un peu pâle aujourd'hui, mais le soleil y tape quand même. Et puis le gris du chemin. Bon alors toi, comment ça va? Toi là, oui, toi qui regardes la vidéo. Ça va? Tu te lasses pas trop de la vidéo d'aujourd'hui? Même si c'est pas transcendant, mais je te rassure, je pense que dans 2 jours, ça sera déjà beaucoup plus montagneux, puisque je viens de regarder, et on partira de 900 mètres d'altitude pour monter au point culminant de tout le chemin depuis le Puy-en-Velay. Soit 1490 mètres d'altitude, qui correspond en fait à la Cruz de Ferro. Et à la Cruz de Ferro, eh ben, il se passera quelque chose. Donc, soit au rendez-vous dans, on va dire, dans 3 jours, à peu près. Voilà. Et puis, Sophie, ben aujourd'hui, Sophie, comment ça va?
plus fort. Ça va? Voilà. Non, il faut la motiver, Sophie. C'est son premier jour, il faut qu'elle se dérouille un peu. Mais bon, je sais qu'elle s'est entraînée chez elle, donc tout devrait bien se passer pour elle. Et je sais qu'elle va vite récupérer son capital forme. Voilà, un petit plan aérien. Voilà, c'est comme si tu étais un drone et que tu flottais au-dessus de moi. Bon, et puis dis-moi dans les commentaires aussi ce que tu penses de mon chapeau. Voilà, c'est juste pour savoir. Chapeau ou casquette? Hein? Allez, marque-moi ça s'il te plaît dans les commentaires. Et un autre truc aussi. On va bientôt arriver à 1700 abonnés. Mais dans 13 jours, on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, si tout va bien. Donc, n'oublie pas hein, le petit challenge. 2000 abonnés, le jour où on arrive à Saint-Jacques. Ça sera un signe fort. Donc, je compte sur toi. Surtout toi, là. Oui, toi, là. Celui qui regarde la vidéo et qui n'est pas abonné. T'as juste à cliquer sur un petit bouton, c'est pas compliqué. C'est bien ici dans la nature, on peut gueuler. Il y a personne qui nous entend. Tant. En parlant de la nature, que personne ne t'entend crier, ça me rappelle un titre d'une saga cinématographique que j'adore, qui est Alien. Alors mon préféré c'est Alien 4, plein d'émotions, de l'humour, mais dans le premier Alien, le sous-titre du film c'était « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Et ouais, par rapport aux aliens, quand ils t'attaquent, t'as beau crier, personne ne t'entendra. Ben voilà, c'était juste le petit clin d'œil cinéma de la journée. À nouveau un village, c'est Chozas de Abajo. Et c'est un village plutôt calme, on a l'impression. Faut dire qu'il est 2h30 de l'après-midi. Donc, chut, les Espagnols font la sieste à cette heure-ci. Alors, la fin de l'étape ne nous fait vraiment pas de cadeau. On longe une route goudronnée en plein soleil, il n'y a pas un pet d'ombre. Et bon, c'est sûr, on est parti tard ce matin. C'est bien fait pour nous quelque part, mais là, les derniers kilomètres, hein, on va la mériter cette bière. Ah, des brumisateurs, des arrosages automatiques. Arrosez-moi, oh ouais. Encore. Allez. On a trop chaud. Arrose-moi, toi. Ah. Ça fait un peu de bien quand même. Hein, voilà, juste avant d'arriver à notre étape finale. Ça, c'est cool. Un petit cadeau de bienvenue. Voilà, bienvenue à Villard de Mazarife. Notre étape finale d'aujourd'hui. Ah, je ne sais pas si tu vois bien, mais regarde les cigognes sur le clocher du village. Elles ne bougent pas, on dirait des fausses. Et pourtant, c'est des vraies. Hein. J'espère que tu vois malgré le contre-jour. Vita bene.
Et voilà, la seule attraction de Villard des Mazarifs, c'est l'église. Mais elle est fermée. Mais bon, comme je t'ai montré juste avant, il y a un magnifique nid de cigogne en haut. Ben voilà, le dortoir, c'est un tout petit dortoir de 4. Donc Sophie et moi, ben, on est tranquillement tous les deux dans une chambre, on va dire. Douche, hein, douche, toilette, enfin, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis un petit coin jardin, étendoir à linge. C'est un albergué qui fait hôtel, qui fait bar aussi, donc c'est cool. Et puis donc là, les cervezas. Et bien voilà, c'est devant l'albergué où Sophie et moi dormons. Donc c'est la Tio Pepe qui fait également demi-pension pour 10 euros de plus avec un menu pèlerin. Donc voilà, alors ben, on a vite fait le tour, hein. C'est un tout petit village en fait, Villard des Mazarifs. Et eh bien voilà quoi, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ben, aujourd'hui voilà, on a fait 20 km. D'après Sophie, qui le temps qu'elle se chauffe un peu, demain on refera 20 km. Et puis donc du coup mardi, ben, ça sera l'étape où on commencera à monter très sérieusement de à peu près 850 mètres jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Mais bon, c'est bien, il y a quand même des petits villages en montant, j'ai vu, donc ça va être cool. Donc, eh bien, j'espère que tu auras pris plaisir à regarder cette vidéo. Et puis, ben, hein, comme toujours, merci pour tes commentaires, pour ton soutien, pour tes encouragements. Et je te fais plein de gros bisous. Et je te laisse avec ben, une très belle statue qui est juste à côté de l'église, ici, à Villard des Mazarifs. Donc, eh bien, je te dis à demain donc, pour la prolongation, la suite de mon chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Allez, gros, gros bisous à toi et puis à demain alors. Ciao! Très belle statue, franchement, avec un visage tellement expressif. Voilà, allez, à demain. Ciao, à demain, bisous.